Thank you.
Thank you.
J'ai même pas fait gaffe que mon micro était pas bon. C'est pas très grave, il n'y a pas personne qui commence à m'entendre. C'est pas fou non plus. Hop, activé. Et voici Damien pas. Ok. On a retrouvé Damien Paul, va bien. On a retrouvé la vieille. Voyons voir. Oh, la statue de la déesse, elle est trompée. Oh non. La statue de la source de la sagesse. Ok, ça m'a débloqué une quête. Et on ira à la suite du courage. Oh oh. Et ça ressemble beaucoup à la première porte qu'on a traversée. Ah oui, je sais où on est. Alors, vous ne devez pas savoir, mais moi je sais où on est. Je sais où on est. Waouh! Oh! D'accord. Ça, c'est l'emplacement de tous les souvenirs. Ça, je savais pas que ça existait. Petite troupeau. Il y a encore une lampe. Alors. Là, il y a. Tu ramènes à cette salle, ok. Ok, ok, ok. Donc tout ça, c'est les... Tout ça, c'est les souvenirs qu'il y a à faire. On en a trouvé quelques-uns. On a trouvé quelques-uns. On en a trouvé trois. Je crois si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On en a trouvé trois pour l'instant. Maintenant, je sais où ils sont. Là, il y a une poussière à lire là-bas, j'avais pas vu. Ah non, il y a un truc qui se déclenche. Ça je m'en doutais. Ça, je m'en doutais un petit peu. Ah, si, je...
précaution, je remonte d'un cran. Je remonte tout en haut. Ouais, je remonte tout en haut, c'est sûr. Oui, oui, je remonte bien, bien haut. Oh bah, ouais, un marchand. Ouais. Oh. Vas-y, montre un peu ce que t'as. T'as des flèches, je prends. Parce que j'en ai plus beaucoup des flèches. Et t'as pas rien. Ah. Ok, intéressant. Donc, il y a une quête. C'est l'arme de dragon à la recherche de Zelda. C'est pas une quête principale. C'est des missions? Ah ouais, statut de la déesse de la sagesse. Alors là, là il va falloir se chauffer parce que c'est pas un endroit très accessible. En fait, si. En fait, si, c'est très accessible. J'ai tellement été vite avec le petit véhicule que j'avais construit que. Quelle est la statue? Elle est là-bas derrière. Silex. Peut-être équiper mon truc anti froid quand même. Elle est où la statue? Elle est là. À restaurer la statue de la matriarche, trouve Nedrak, l'esprit d'azur qui parcourt les cieux d'un souffle glacial. Apporte une griffe en offrande à cette source. Oh. Oh, faut que je récupère une griffe d'un dragon. Pas mal de sanctuaires donc quoi. J'en ai pas fait beaucoup des sanctuaires, hein. J'aurais peut-être dû. Bon, pas grave, j'ai quand même accès. Ce qui est chiant, c'est que. Je vais essayer de partir dans les cieux et voir ce que ça donne. Je ne vois pas de dragon. Je ne vois point de dragon. C'est pas fou comme Regarde si je vois pas un dragon. Mais... Je vais faire gaffe. J'ai vraiment plus beaucoup d'endurance. Hein. Je vais regarder, mais j'en vois pas. Alors là-bas, il y a encore un. Si j'arrive à regrimper là-dessus. Oui, je suis bon. Ah.
de l'avoir. Merde! Il y a une autre fée là-bas, je vais essayer de la choper. Ne monte pas, ne monte pas, ne monte pas. Et oui, la fée, allez, prends-moi. Et par contre, il faut que je trouve Nedrak. Est-ce que je peux faire l'encyclopédie d'Hyrule? Ah, je peux peut-être faire quelque chose. Si je trouve le dragon. Je considère peut-être ça comme un. Non, c'est pas un monstre, c'est. Un matériau, monstre, animaux. Alors, j'ai déjà pris un dragon en photo en plus. J'ai déjà pris un dragon en photo, c'est sûr. Bah ouais. Il doit être dans l'ancien. L'encyclopédie, mais je le vois pas. Ah bah voilà. Que j'ai duré d'effet. Ok. Bon, on va aller chercher comment le voir parce que je le trouve pas. Dragon des Drac. Ok, il peut être dans les profondeurs. C'est peut-être pour ça que je le trouve pas. C'est peut-être pour cela que je le trouve pas. Parce qu'effectivement, s'il est dans les profondeurs, je ne pourrais pas faire grand-chose. Et vraiment, l'endurance, ça devient horrible. J'utilise mon endurance. Je sais plus par où il rentre, il rentre. Je sais pas par où il rentre. Il y a un abîme dans le coin que je ne vois pas. Ah, il rentre par l'abîme de Cocorico. En fait, il rentre par l'abîme de Cocorico. Il ressort par l'abîme, mais en fait, il va pas t'arrêter en fait. Descends dans cet abîme.
Ah bah. Parfait. Hop. Non. Ça. Coucou toi. Ok, je peux plus en récupérer. On a une Dracoroche. Les Dracoroches, je ne sais pas ce que ça vaut. Oh merde! Vu que j'ai pris sa corne, je peux pas lui récupérer ses glis. Alors que j'attends un peu. Hop, faut retourner là-haut. On a le dragon blanc, mais le dragon blanc c'est pas intéressant. Je vais essayer de faire un flip. Ah, c'est parfait ici. Il me faut un silex. Attendre jusqu'au matin, ça va être bien. Abîmes. On va aller dans les abîmes. C'est plus bon.
toi, Nedalak. Sortir un véhicule, logiquement. Trop tiré, voilà. Logiquement, il me reste assez pour faire le véhicule. Un Golemax. C'est que je ne vois toujours pas Nedrak. Donc soit possibilité numéro 1, soit il n'est pas dans les profondeurs. Possibilité numéro 2, soit il était hors de mon champ de vision. Ce qui est possible tout également. Je ne sais point. Je ne sais pas où il est. Oh, une belle crevasse ici. Golemax ici. Toujours pas de dragon. Là, ça m'enchante moins cette merde de... Cette mer de cochonnerie, je vois des ombres se rapprocher de moi. Thank you.
suis en train de me demander si j'ai pas loupé le dragon. Eh bien. Voilà. Bon, je récupère une griffe pour faire la quête. Le voilà. Bon, je crois. On se le raconte de l'enfant. Oui. Ce doit être. Non, c'est lui. C'est soit lui, soit le raconte de c'est le dragon blanc, je crois. Oh, quoi que. C'est bien le dragon blanc. Donc, le drac est tout là-bas. Je suis plus assez haut pour bénéficier de l'effet. Il y a une... celle-là. Il n'y a pas de chance, je peux le choper. J'ai eu la griffe du dragon blanc. Parce que ça, je sens qu'on va me le demander. Je sens qu'on va me le demander un moment, donc je l'ai pris. De toute façon, j'irai les dupliquer une fois. Au moins une fois. Ah, il faut d'abord que je répare mon arc. Le dragon. Où est-il? Oh non, je bois plus. Dans la chaîne des bras est là-bas. Là-bas. Ouais, il est loin, mais c'est pas ça. C'est toujours là. Parce que là, il va couler.
Pour parler de Cocorico, je sais qu'il va y aller. Direction Cocorico. Là, je pense qu'on va faire que la lame blanche. Il va déjà être 15h. On le voit d'ici au dragon ou pas? Oh, il est pas très très loin, vite. Attends, où est-ce qu'il est? Je vois. Merde, je le vois plus. Il est là-bas. Ok. N'est pas en poche, on retourne là-haut. Non, je ne vais pas là-haut. On vient ici. Je vais au moins la dupliquer une fois. Est-ce que la utile? Parce qu'il va falloir que je le fasse réparer. Il faut que je trouve un pompe de roche pour le réparer. Je trouve un poulpe de roche. Espérons qu'il casse pas. Non, où est-ce que t'es guéri? Bah, où? Rack. Ah, j'avais déjà une griffe. Ah bah oui, je l'ai récupérée. Ok, il n'y a pas pété. Je vais le faire réparer. Parfait. Regarde pour... un Octorok. J'ai vu Isabelle comme ça. Un Octorok. Noctorok. Autorok. Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas qui je suis. Alors... que je trouve ça et que je répare mon arc. Avec un peu de chance, ça pourra peut-être même s'améliorer.
aussi. Je vais mettre dans l'eau, c'est ça. Ouah. En bénédiction. Deux sous son corps et deux autres statues. Je t'en supplie, au proche chevalier, accepte de venir en nous en aide. Oui. Celle-là de source est faite. Hey. Je sais qu'il y a une source dans ce coin et elle est là. Voilà, je le sais parce que je me souviens du premier jour où je suis tombé dessus par pur hasard. C'est même pas une vanne. J'ai vraiment tombé dessus par pur hasard. Donc c'est le moment de se souvenir de ça et d'aller à la source. J'espère qu'ils vont me demander les cahiers de dragon blanc. Franchement, je me vois pas. Enfin, non, griffe de dragon blanc. Parce que je me vois pas encore chercher un autre dragon. Faut tout que hors j'ai pas trop été par là. Donc, ouais. Pas fou, pas fou. Non. Un bouclier. Ok, une nouvelle quête en plus. Bon. Bon, maintenant il faut que je me retrouve un. Ah, bah voilà, bouclier de transport. Du coup, voilà, je fais du skate. Ah, il y a un sanctuaire là-bas, je vais l'activer. C'était beau ce que je viens de faire. Donc je sais que le bouclier, le truc qui ressort, je peux l'utiliser comme ça. Je peux aussi l'utiliser pour repousser les ennemis. On va voir s'il vient dessus. Ouais. Est-ce que je peux l'utiliser pour repousser les ennemis? Je peux l'utiliser pour sauter haut. Logiquement, c'est à peu près par là. Alors ici, de ce que je me souviens à l'époque, il y avait des gardiens volants ici.
passer par la petite entrée secrète. Ou par directement le truc entre une grenouille. Et l'entrée était ici. Voilà. Et dans la sauce. De ce point-là. La source de la force souveraine. Et ici, on avait un souvenir à l'époque. Ordrak, évidemment, il fallait que je trouve celui-là. Ok. Et ben, je me grouille. Je ne vais pas aller. Je vais me dépêcher. Merde, j'ai pas sorti mon truc, j'ai sorti le marmotte. Avec, je comprends pas pourquoi il me le monte. Non. Non, il est vite, Non. Je vais pas réussir à le choper le dragon. Là, par contre, on va s'en mettre masse. Voilà. On va pas en faire plus parce que vraiment, je viens d'en gâcher. Je suis tombé juste pile poil là. Allez. J'en ai vraiment plus des gros orbes. Pourtant, j'en avais pas. Ah, si, il me reste. Ah, si. Il m'en reste un maintenant, donc il va falloir que je le duplique. Ok, j'approche du dragon. Par contre, ouais, lui, il va être blanc, je crois même. Oui, oui, oui. Effectivement, je peux... J'ai chaud. Je ne sais pas si ça va m'aider. Si ça va. En fait, pas tant que ça. Oh non, l'arc de Linel. Oui. Oh non, je pourrais pas la dupliquer. Moi, oh, je m'en fous. En vrai, là, je m'en fous. Merde, j'ai perdu l'arc de Linel, fais chier. Oh, j'en coûte à Linel. Que je rebute un minel, le fait chier.
c'est pas plus chiant. Il faut que je rebute lui-même. Il m'en reste encore une par contre. Source de page, je ne me souviens plus de où elle est. Source de courage. Je ne me souviens plus où elle est, la source du courage. Je crois qu'elle est au niveau de. Ok, je me souviens. Ici. Source du courage. Par contre, lui, c'est la foudre. Lui, ça va être plus chiant à approcher. Foudre. On va se mettre déjà là, après c'est tout. Ok, je vois le genre. Ça commence bien. Et puis c'est lui. Ça y ressemble bien. Ah, c'est le dragon blanc. C'est pas vraiment le... D'accord.
Et ici, dès que je vais vouloir lire, ça va se casser la gueule. Mais non. Donc c'est pas cassé la gueule. Donc c'était pas le bon dragon. Je crois, voilà, il y a un abîme. Est-ce que c'est le bon abîme? Ouais. Je crois qu'il rentre via cet abîme. Il va falloir que je me fasse plus de plats parce que ça va être compliqué ici. J'ai des sacrées pètes de lime. Désactiver la défense. Un cristal d'énergie. Et on saute pas. Et la barre d'assemblage. Ça, c'est bien. Ça m'a débloqué. Laser rotatif de combat. Ouf. Ça peut servir, mais. C'est pas le truc par excellence qui me servira. À la surface, ça sert à rien. Ici, voilà. Il ressort de cet endroit. Déjà ça va, ça va. Il va sortir de quel? Il va sortir de là.
pas aller là-bas. Parce que je... Mal. Là-bas. Ça doit être lui. Tant pis. Alors, continue la descente. Et c'est bien lui. Et voilà, une griffe de Rorak. On retourne au sanctuaire. C'est qu'on est bien parti pour l'avoir, cette fameuse lame blanche. Moi je la veux, cette lame. Je sais pas combien elle vaut, mais je la veux. En sachant qu'après il va falloir retourner au temple oublié et qu'il y a un peu de chance qu'il me redemande aussi une griffe. Et là ce sera sûrement dragon blanc. Un dragon blanc, j'ai ce qu'il me faut déjà. Et on avance. Ouais, la magie. Le pas de brut. Et c'est parti. Alors. Maintenant, on retourne au temple oublié. Ce qui est bien, c'est qu'on a un petit sanctuaire pour s'y téléporter. On aura fait 3 dragons aujourd'hui. Et au cas où il y a une légère cinématique. Ouais, elle a vraiment été restaurée, quoi. Elle a été remise en place. Incroyable. Elle est grande, celle-là, de statue. Ces trois qualités, une épée, je souhaite à présent te remettre. Ah, ça y est, la voilà. Tu peux porter d'armes supplémentaires pour moi, reviens voir quand tu pourras la recevoir. Et merde. Qu'est-ce que je peux balancer? La matraque laser, je n'ai pas grand-chose à faire. Enfin, défaire l'amalgame. Ça me fait chier de me débarrasser d'une arme en fait.
seul. Allez, remets-moi l'épée. La voilà! Ah, manie l'épée du héros venue du ciel à la lame d'une blancheur éclatante, vous enveloppe d'un sentiment étrange. Vous sentez souffler sur vous un nouveau vent céleste. Waouh! Va et ramène la paix en Hyrule. Ouah, alors attendez, j'enlève la cape parce que la cape plante un peu le look. Donne-moi un peu, vois un peu. Waouh, elle est magnifique la lame comme ça. Il manquerait plus qu'on entende Faye dedans et ça serait parfait. Elle est magnifique. Elle est vraiment super belle cette épée. Et attention, je veux voir si on peut amalgamer des choses dessus. Donc je vais prendre un truc sans réelle plus-value. Genre, qu'est-ce que je peux mettre? Un truc que j'en ai pas grand-chose à faire. Parle de Bocoblin. Voilà. Juste pour voir si je peux amalgamer quelque chose dessus. Oui, je peux. Alors, là, c'est ridicule, la corne de Bocoblin avec la garde de l'épée de légende. Elle est vraiment magnifique, cette épée. Je ne sais pas combien de durabilité elle a, par contre. Voyons voir. Faut que je me renseigne un peu sur cette épée. Comment elle s'appelle, cette épée? Blanche épée céleste. Blanche épée céleste. Est-ce que j'ai noté quelque chose dessus ou pas encore? Ouais, j'avais noté quelque chose. Bonne durabilité 45. Oh! Alors, il y a une information que je vous donne. Il y a possibilité, il y a une autre possibilité d'obtenir cette épée en utilisant l'amiibo Link de Skyward Sword. C'est très intéressant ça. Moi, je n'ai pas l'amiibo. Mais pour ceux qui auraient l'amiibo, vous pouvez obtenir cette épée. Alors, je ne sais pas si il y a 100% de chance de l'avoir. Mais vous pouvez l'avoir. Vraiment, je regarde pour essayer de voir si je peux pas émuler des amiibo ou une connerie dans le genre. Je suis sûr qu'il y a moyen. Je suis sûr qu'il y a un grave moyen. Mais en tout cas, je suis très content parce que vraiment très très belle cette épée. C'est le genre d'épée que je vais pas gâcher en fait. Et 24 de base quand même. Hein. Si je l'amalgame avec un diamant, ça peut être vraiment broken. Diamant, attends, c'est combien? Partie puissance d'attaque, c'est 25. C'est plus de 40 points de dégâts avec du diamant. Ça donne quand même pas mal. Hein. Je sais pas, l'épée des légendes, c'est pas indiqué combien de puissance alors. Je sais que je rajoute déjà 25 et que je fais extrêmement mal. Donc, ouais. Franchement, elle est si belle que j'ai pas envie de la gâcher en fait. Je sais ce qu'on va faire. On va aller au village 2-0. Non, c'est pas. Non, ça c'est ennemi. Il est où le village 2-0? Il est là. Chantier. Là, logiquement, il y a ma maison. Mais est-ce qu'il est... Attends, je crois qu'elle est là. Est-ce que j'aimerais vraiment la garder, cette épée? Parce que vu que j'ai pas l'amiibo, je peux pas la récupérer. Je peux pas la réobtenir. Donc, essayer de se renseigner. En sachant que... Est-ce que je viens pas de me foirer? Est-ce que c'est pas là où il y a un griot?
C'est ça. C'est un grillage de feu, je crois. Attends, je vais voir si je peux pas. C'est un grillage électrique. Bon, c'était pas. Elle est où ma baraque alors? Elle est là peut-être. Chez Link. Voilà, c'est ça. On va essayer de voir si je peux pas avoir un comment on appelle ça? Un truc pour les épées, pour poster les épées. Enfin, pour exposer les épées, je sais plus comment on appelle ça. Un râtelier, voilà. J'avais mis ça. J'avais fait une petite maison à la fâche. Est-ce que j'ai un râtelier dedans? Oui, j'ai un râtelier. Et bon, on va exposer l'épée. Voilà. C'est quoi cette arme? Grande baguette magique. Rappelle rien cette arme. On va regarder. Et là, c'est le katana miasmatique. Je vais mettre celle-là d'arme. Et de toute façon, je les utilise pas plus que ça. Grande baguette magique, je me souviens pourquoi je l'avais gardée. Est-ce qu'il faut pas que je le. Que je l'infuse avec quelque chose, genre. On va l'infuser à la glace. Attends, mais j'ai pas un chouchou de glace plutôt. Plutôt que de mettre un. Si, voilà. Ah. Pour réveiller le pouvoir latent des gemmes. Ah. C'est sûr que si je lis pas les descriptions, ça va pas aller. Genre si je veux mettre un rubis, parce que j'en ai pas mal. Ah oui! Ah mais... Ça peut être broken ça! Je comprends pourquoi je l'avais gardé celle-là. Carré avec des meubles, une salle d'armes pour prendre une, et je vais prendre la carré meublée. Bah alors, ah merci. Alors, je reprends. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est les armes. Ensuite, qu'est-ce que c'est déjà? Je ne sais plus. Hop, ça, je vais garder. Ça, le pion, je vais balancer. De toute façon, ça ne me servira pas. À moins que. Attends, déjà je vais prendre la carte. Voilà. Là. Ensuite, bah non, je vais la garder par contre, non, des petits. Alors que soit je meuble.
Voilà. Ah. Je crois que je t'en peux pas tout utiliser. Non, il me reste encore. Il faut que je regarde pour rajouter un truc pour pas que ça passe vide. Je crois que j'ai un vide dans ma maison. Où le gars? Il est là. J'aimerais avoir un de bonne pièce. Je vois un peu ce que t'as. Bouclier, chambre à coucher, boudoir de la déesse. Oh. Une écurie, vestibule, étude. Tu peux faire des escaliers, escalier extérieur, passe en poisson, espace vert. Chambre à coucher, j'ai déjà guéri d'art. Je vais mettre un truc à arc. Bien. Donne-moi l'escalier. Où est-ce que t'es? Escalier intérieur. Le triangle. Non meublé par contre. Et tu vas me donner la salle des arcs et la salle des boucliers. On va voir ce que ça donne, si je dois rajouter des trucs ou pas. J'aimerais bien que ce soit à peu près symétrique. Voilà. Et voyons voir. Il faudra une pièce carrée. Il faudrait une pièce carrée. Une pièce carrée. Voilà, bon, ça va, il va y avoir un trou, mais c'est pas très grave. J'aurais préféré que... J'aurais préféré autrement, mais ça passe pas trop bien. Ça donne un peu de style. Ça. C'est parti. Voilà.
comme ça. Je vais pouvoir exposer ma baguette magique. Est-ce que l'épée des gens, je peux l'exposer? L'épée des gens ne peut pas être exposée. Ok, j'ai plus rien au niveau arme à exposer. Par contre... C'est tout mignon. Oh. Par contre, voilà. C'est plus ça qui m'intéresse. Mettre des boucliers qui sont un peu beaux pour celui-ci, celui-ci, niveau non, l'arc du roi des mots. Ensuite, arc complètement forcé, même si franchement c'est pas intéressant. Voilà. Il y a un peu de barrière à certains endroits. Voilà, ça commence à s'agrandir un peu. Là, on n'a pas besoin de mettre un truc gigantesque. Pour l'instant, vu que j'ai besoin que de ça. Voilà, ça c'est fait. On a la lame blanche. Ça, c'était l'objectif du jeu. On va essayer à l'usine de golem. Est-ce qu'on essaye de se faire un bout de sage d'esprit? Ça va être intéressant. Ça va être intéressant d'essayer d'en faire quelques-uns. Il y a 4 ateliers à explorer. Il est 30, on a une demi-heure. On verra bien. Alors. Et bon, on va commencer par ici. Hein. Atelier de la jambe gauche. C'est bien ce que je pensais de dire, mais non, c'était 3 hommes quoi. Mais non. Ça aurait été plus simple. Hein. Je le fixe sinon on va avoir des petits soucis. Je vois le genre, je comprends ce qu'il veut que je me fasse. Même que je me sers ce truc. Il est un peu intéressant, j'ai pas encore peut-être débloqué les orbes. Je vais mettre que ça, ce sera déjà pas mal. Une tête de golem, ça peut être intéressant, la tête de golem pour certains trucs. Mmh.
Je ne sais pour moi ce que ça va donner. La première pièce est en place. Apporte encore les trois autres, je te prie. Ça, ça a été. Maintenant, faut que j'aille tout là-haut. Comment je vais faire? Est-ce que j'ai encore assez de capsules pour mon sport? Ouais, je l'ai encore, mais j'ai plus de turbine. J'ai plus de turbine, sinon c'est ça. Attends. Allons voir. Embêtant. Ah, ça, ça va passer. Maintenant que j'ai vu le côté technique de la chose, je suis un
Encore une de production. Hein? Mais on a de propulsion. Je veux le voir écouler. C'est parti. Wow. C'était pas prévu ça. Par contre, il va me décharger tout mon truc. C'est pas fou. Coupe-toi. Merci. Espère. Voilà. On va tout en mettre. Ne décolle pas. Est-ce que je serais trop long? Je suis apparemment trop lourd avec. Je vois des planeurs. Okay. Je vois le genre. Ah. Ça, vous ne voyez pas venir par contre. Ça veut dire que... C'est tout pile. Non, ça passera pas. Comment je vais tout faire? Bah ça sert à rien, regarde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un gouvernail. Bon, également. On a ici un sonium. Alors, comment on va s'y prendre? Est-ce qu'on peut pas se foirer? Ok.
Mal gouverné. Ensuite. Je pense que 4. Là. Ça fait lourd. Peut-être ajouter un petit carré. Bon, ça qui roule un peu. Voilà. Et maintenant, si je fais ça, ben voilà. Il est lourd. Ça devrait le faire. Aiguille un peu quand même, hein. Et voilà. On a les deux jambes, maintenant il manque les deux bras. Tu as apporté une autre pièce. Il en reste encore deux. Alors... Où est-ce que je n'ai pas encore été? Oh, et là-bas. Moi, je suis plutôt dans le rating, c'est pas le problème. Oh, regardez. On peut en servir, hein. Recycler les enfants, recycler. Cette voiture que je viens de garer, atelier de bras gauche. On va l'activer. Activer l'usine. Hop. Et au fur et à mesure, il y a eu la sortie. Ok, reste bon. Je n'aime pas l'idée de la lave. J'ai un coup garnaille.
d'accord. Trois roues. On n'en a même pas quatre, on en a que trois. Est-ce que je l'ai? Oui. Voilà. Je ne sais point si ça va passer, je veux dire. Ben, ça passe. Par contre, on a une autre. Je m'invertis le coup. Je crois savoir, je crois que c'est... ça ne passe pas. Comment je vais faire? Là ça passe pas plus juste. Ouais,
Avant que la porte tombe. On n'aura pas le temps de faire tout le golem, mais on aura déjà bien commencé. On aura déjà bien commencé. Et c'est par là qu'il faut sortir. Intéressant ça par contre. Je peux faire peut-être un bateau. Et là, si je fais ça, ça passe. J'ai vu qu'on avait plus la moitié là. Maintenant, ça n'est pas plus la moitié. La deuxième, et on va créer les pales. Donc, est-ce que les pales... Ah, on peut pas les récupérer. Et bon, on va récupérer les ventilateurs. Voir ce que ça donne. À part comme ça, je vois du mal comment je peux le faire. Ma gouvernail. Vous voulez déjà, j'ai gardé l'ancien. Avance. Wow, 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 wow. Oh, je suis coincé dans un autre truc maintenant. Il est 16h, on va devoir s'arrêter là, mais je vais... Il n'en reste plus qu'une, Link. Le corps qui accueillera mon esprit est presque prêt.
Je sais qu'il y a un boss après. Pas le temps pour faire le boss. Mais voilà, j'ai déjà pas mal avancé. On a quasiment le golem. Je sais qu'il y a un boss après. Donc il faut que... Donc je m'arrête là parce que j'aurais pas le temps de faire le boss. Voilà, voilà quoi. En tout cas, c'était un très bon live de retour, je pense. On verra par la suite ce que ça donne. Et en tout cas, pour l'instant, je continuerai de toute façon sur le faire le jeu. Ça, c'est une certitude. Je vous dis à la prochaine pour écouter à vous et à la semaine prochaine pour le premier live, pour le live Game Match, car fin de semaine. Pour l'instant, il n'y a personne. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'un petit live. Sur ce, je vous dis bon après-midi à tous et à la prochaine.